Togo Info, le Togo à votre portée. Oui, effectivement, aujourd'hui j'ai voulu bien m'adresser à toute la jeunesse togolaise et aux compatriotes qui malheureusement aujourd'hui sont contraints de vivre à l'extérieur. L'idée principale de mon message était d'appeler nos compatriotes à ne point se décourager et céder à la résignation. Parce que depuis un temps, les événements sociopolitiques ont poussé bon nombre de personnes, bon nombre de concitoyens, bon nombre de jeunes à se décourager, à ne plus s'intéresser à la chose politique. Alors que c'est la politique qui guide notre quotidien. Et il est important qu'au regard des problèmes auxquels les jeunes togolais sont confrontés, qu'ils puissent s'intéresser à la chose politique et qu'ils puissent surtout rester debout afin que dans les prochains jours, dès que nous leur ferons appel, que nous soyons nombreux à crier haro sur ce système, à dire ça suffit, faut que ça change. Parce que quand vous remarquez un peu la manière dont les jeunes vivent dans ce pays, nous pensons que cela n'honore pas un État qui a eu son indépendance depuis 60 ans. Des jeunes se retrouvent aujourd'hui sans emploi. Des gens n'ont pas de salaire convenable. Et quand vous faites un tour dans nos localités, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'école, d'hôpitaux et de marché digne de ce nom. Presque tout va à l'envers. Et ceux qui sont censés apporter une réponse aux préoccupations de la jeunesse sont plutôt à la recherche d'un intérêt personnel. Et nous pensons qu'il n'est pas normal, il faudrait qu'on mette un terme à tout ça. Et par ailleurs, remarquez que depuis 30 ans, nos parents et nous-mêmes aujourd'hui, nous tentions de faire comprendre au régime que ça ne va pas. Et c'est pourquoi nous avons manifesté depuis toutes ces années et nous avons porté nos voix sur les candidats de l'opposition. Mais à chaque fois, les élections ont été fraudées, ont été truquées et les chiffres ont été biaisés. Et donc, pour nous, il n'est plus question que ces personnes, ces voleurs d'élections, soient au pouvoir. Il faut à tout prix qu'ils puissent partir. Parce que si nous leur permettons encore d'être là, c'est 5 ans de souffrance garantie, c'est 5 ans d'injustice, c'est 5 ans de famine, c'est 5 ans de privation, c'est 5 ans d'impunité, 5 ans de bavure policière et de tout ce qu'on connaît. Il faut impérativement qu'on mette fin à leur règne. Et ce rendez-vous, nous pensons que c'est cette année. Vous avez...